Et salut à tous, c'est Jubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Enfin les amis, plutôt une toute nouvelle série que j'avais déjà commencé à l'époque. Il s'agit donc de Mario plus les lapins crétins 1, donc Kingdom Battle. J'avais déjà commencé la série auparavant, il y a 2 ans. J'avais fait les 4 premiers épisodes. Mais le problème c'est que bah voilà, la qualité était à chier. Alors que, merci le lapin. Alors que là pour le coup ça va être beaucoup 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 mieux. Déjà vous avez directement l'écran de la Switch sur, sur la vidéo. Vous m'avez en facecam. Et niveau audio, alors je sais que ma voix elle est un peu bizarre dans le rendu de la vidéo. Mais bon, malheureusement faudra faire avec. Et vous avez également directement le son du jeu depuis la vidéo. Alors qu'avant j'avais juste l'écran de la Switch, je filmais avec mon téléphone. Et voilà, vous m'entendez derrière mon téléphone. Vous entendiez l'écran de la Switch, un peu de la résonance. L'écran, il était pas fou, des fois il y avait des flashs et tout. Et puis, pardon, je filmais dans une salle de bain, ce qui faisait qu'il y avait de la résonance aussi dans la salle. Donc ça n'a rien à voir, vraiment. Vous avez comparé ce premier épisode au premier épisode que j'avais fait il y a 2 ans. C'est le jour et la nuit, ça n'aura rien à voir. En tout cas les amis, c'est parti pour commencer cette nouvelle aventure, enfin plutôt la recommencer. La recommencer et puis après la poursuivre. Ça fait bien 3-4 ans je crois que je l'ai ce jeu. Et que, à part les 4 premiers épisodes que je vous ai fait, je n'y avais pas du tout retouché. Donc c'est parti sans plus attendre. Donc Mario plus les lapins crétins Kingdom Battle, c'est parti. Donc du coup, on a le mode histoire principal, ainsi que la Donkey Kong Adventure. Donc c'est un DLC qui s'obtient avec l'édition Gold du jeu. Donc voilà, ça sera une extension de la série. Et c'est parti, je crois qu'on va en avoir pour pas mal d'épisodes sur cette série. Mais sans plus attendre, c'est parti les amis, let's go, mode histoire principale. Alors évidemment, on retrouve la sauvegarde que j'avais faite auparavant, qu'on va tout de suite effacer. Hop, oui. On va tout de suite l'effacer les amis. Et c'est reparti pour commencer le jeu. 3, 2, 1, c'est parti. All right, Beepo. That ought to fix the overheating problem. Can you believe it's been 3 months since Tech Magazine put me... Okay, us, on the cover? The Super Merge takes item A and item B and combines them to create item C! Ugh, if only it were that easy. The article says nothing about dark matter, space-time manipulation, practical applications, nothing! I mean, the Super Merge could solve the energy crisis, Beepo, watch! Sorry, Beepo. Let's take a break and come back at this overheating thing fresh, okay? Oh,
C'est vrai que cette cinématique, elle est quand même cool. Elle est quand même cool. Pourquoi ai-je des oreilles? Ah, j'espère que tu es content. Je sais plus comment il l'appelait, je crois qu'il s'appelle Spawny lui. Un truc comme ça. Arrête ça! Excité de l'espace. Bon, et bah ça s'annonce bien pour le premier combat du jeu, si je me souviens bien. C'est lapin crétin a l'air de vouloir semer le chaos et la destruction, encore plus que d'habitude, ça c'est vrai. A la différence de vos deux amis, il semble avoir été corrompu par le lapin crétin qui porte le casque de superfusion. Est-il possible que le casque de superfusion ait été corrompu en arrivant dans ce monde? Si c'est le cas, nous courons tous un terrible danger. Mario, il faut absolument trouver le pauvre lapin crétin qui a fusionné avec le casque, c'est la clé. Si nous le sauvons, nous sauverons ce monde. Ah oui, le combat c'est pas tout de suite. Ah, c'est bizarre de jouer à ce jeu sur la télé. Parce que du coup, la dernière fois, je jouais seulement sur le petit écran de la Switch. Hein. J'en ai fait le rendu, mais en vrai, ouais, ça va, ça a l'air plutôt pas mal. Il a l'air d'avoir une légère chute d'FPS. Je verrai de toute façon le rendu, mais malheureusement, ça y est, là, je pourrais rien y faire. Je m'en excuse d'avance. Il n'y a pas de dialogue là? Non, pas ici. Ah, c'est bon. Un exemple flagrant et certes hilarant du chaos provoqué par l'intrusion de notre monde dans celui-ci. En gros, c'est quoi? C'est un peu un monde créé. Comment je pourrais dire? Ça, c'est pas le monde de Mario, c'est simplement. Une version alternative du monde de Mario avec les trucs des lapins crétins. Ça, c'est une version alternative en gros. Allez, c'est parti pour le premier combat du jeu. Oh.
Aidez-moi! Je ne peux pas m'en sortir! Ça, c'est là, c'est drôle. Ah, merci beaucoup! L'archive de la pub. Qu'est-ce que c'est encore? Tiens, je viens de recevoir un message. Très cher Bipo, dont la bravoure, l'intelligence et la compassion sont une lueur d'espoir pour nous tous. Si mes calculs sont bons, vous avez désespérément besoin d'aide. Alors, c'est écrit de FB. Moi, j'avais déjà vu la série sur la chaîne de Carbano. Je pense que pour ceux qui connaissent, bah, vous savez. Enfin, je pense que vous êtes. Peut-être que vous connaissez Yo Carbano si vous êtes fan de Mario ou Yo-Kai Watch. Du coup, FB, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Veuillez consulter les pièces jointes à ce message. Elles devraient être un très bon signe pour vous. Je vous le garantis. Signé, votre plus grand fan. Évidemment, je ne dirai rien, mais je sais qui c'est. Après, je ne suis pas non plus de tous les détails du jeu, hein, mais je suis un du principal. Waouh, quand le message annonçait des pièces de jointe, je m'attendais plutôt à des vidéos de chat. Alors, êtes-vous prêts? L'heure de la riposte a sonné. Allez, apprendre les bases, les amis. Attention, mes capteurs détectent deux ennemis sur le champ de bataille. Oui, merci, on les a vus. L'un d'entre eux est partiellement abrité. Vos chances de le toucher sont de 50%. L'autre est découvert, ce qui donne 100% de chances de le toucher. Vous pouvez changer de cible avec le stick gauche. Appuyez sur A pour tirer sur la cible sélectionnée. Ok. Bah, je vais directement commencer par lui en vrai. Ouais. Puisque c'est le premier. Lui, il est déjà mort. Ok, bon, bah, comme ça, c'est fait. Lui, 50%, bam. Non. Et elle l'a fini. Bataille terminée. Ah, il n'y avait pas forcément. Il n'y a pas forcément de difficulté. Ah, c'est tout. Ok, il n'y a pas de dialogue. Je pensais qu'il y avait un petit truc à dire au moins. Et bah non, même pas. Ah, ok, deuxième combat. Ok. Je regarde un petit peu le rendu de la vidéo, voir si ça va. Les lâches, ils sont complètement abrités maintenant. Nous avons 0% de chance de les atteindre d'ici. Seul leur abri sera touché. Avant d'ouvrir le feu, il vaut mieux les contourner. Déplacez-vous pour trouver une position de tir offrant 100% de chance de toucher. Ah oui, enfin, les toucher. Bah ça me demande de mettre là, je vais mettre là. Vas-y, touche-le. Ok. Lapin Luigi, on va le mettre là. De toute façon, c'est là où il y a une flèche, hein, donc j'ai pas forcément le choix. Je pense. Et Lapin Peach, je vais la mettre... Là, elle peut pas. Bah je vais la mettre là. Elle est pas trop protégée là en vrai. Bah ici. Elle sera protégée un minimum. Allez, tue-le. Hop, ça dégage. Ça, c'est fait. C'est clair. Oh, ça va, il a rien reçu. Bon, ouais, on va directement faire avec la Lapin Peach. Je vais le mettre là. Touche-le et bam. Mario, on va le faire. Bah, il est, c'est bon, il est fini. Un coup, il est mort. Bam, il attaque. Hop, c'est fait. Voilà. Ah, pas troisième combat. Apparemment. Chapitre 1 déjà fini. Le chapitre 1 il est déjà fini. Héros improbable. Ok. Bah faut croire. Faut croire, les amis. Ah. Ah oui, la fameuse tour. J'ai déjà vu ces bleus dans le laboratoire. J'espère qu'ils présentent une résistance structurelle supérieure après la superfusion. Mais j'en doute. Ouais. J'en doute aussi, Lipo.
un petit coffre, ça fait toujours plaisir. Monde luxuriant, tu as trouvé un nouvel objet, si seulement il y avait un endroit. Ah oui, ok. Allez, donc pour le moment, j'ai pas encore l'inventaire pour découvrir ce que font les objets. Okay. Attends, mais le chapitre 2, on l'a pas encore activé là. Ah, le portail. Là, dans le ciel, vous voyez? Ça a commencé quand les lapins crétins sont arrivés au royaume champignon. L'énergie qu'on va monter à chaque fois qu'un ennemi est vaincu, je me demande. Mais non plus pour attraper le lapin crétin qui porte le casque. C'est lui la clé pour empêcher cette catastrophe, j'en suis sûr. Ça c'est des blocs, on peut encore rien y faire. Ah, c'est les trucs qu'il y avait aussi dans Mario Bros. Les pièces rouges là avec avec un petit chrono. Et à la fin il y a un champignon vert, je crois. Ou un coffre en effet. Un coffre doré. Je regarde le rendu, mais c'est vrai que c'est 10 milliards de fois mieux cette vidéo là que. Enfin, ce premier épisode que le premier épisode que j'avais fait il y a 2 ans. Ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que la facecam aussi elle est bien placée, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'elle est bien aussi. Ok, on va y aller, hein. On peut pas sprinter? Non, on peut pas. Dommage. Bah vas-y. Les fameux yeux de Mario. Ok, j'allais dire, si c'était juste pour une pièce, bon. Le tuyau. Ok, encore un passage secret. Allez, pou. Et ça nous mène donc à un coffre et quelques petites pièces. Mario, tu as trouvé. Ok, sûrement une stade de Mario, un truc comme ça. Ok, bah c'est reparti. Petite notif de la saison 4 de Demon Slayer. Le Crunchyroll. Enfin, un trailer plutôt, parce que là, je vous parle, on est le 8 avril. Allez, chapitre 2. Salut à toi, noble végétal de la prairie. Nous sommes. Et oui, c'est de la pâquerette qu'on a vu au début dans la cinématique là. Pourquoi tu fais ça? Après le passage de cette étrange créature, tu portais un casque, ces malotrues vont causer que des problèmes. Oh, ne crains rien, c'est la pâquerette là, n'ont rien à voir avec leur congénère. Bah, c'est juste nos alliés quoi. Ah, bien, si tu peux arrêter le fauteur de troupes, je te récompenserai. Ils transforment ses semblables et les rend particulièrement malveillants. Ouais, enfin, ce sera la fin du jeu que je vais l'arrêter. Je suppose que tu ne viendras pas avec nous pour nous aider. Désolé les amis, mais il est temps pour moi de m'éclipser. Mais ça, du coup, c'est un lapin crétin qui parle, hein, parce que... à la base, c'était on a vu dans les cinématiques comme quoi c'était un lapin avec un tournesol et des lunettes. Attends, mais du coup, là, on est au chapitre 2. Alors... Monde 1 sur... Monde 1, 2... 1 sur 2, genre. Quitter le chapitre, option. Bon, oh, bah, on va faire reprendre. Et, oh, le silence que ça fait. Le silence que ça fait. Ok, y a pas un petit truc là. Ah, si, y a un canon. Hors service pour l'instant. Étant donné la dangerosité de l'objet, je ne doute pas qu'il n'a pas le temps pour le réparer. En effet, c'est bien analysé, Lico. Bon, bah, combat. Hein. Encore des Ziggy. Il s'est vraiment fait avoir comme ça? Cher Bipo, si vous voulez vaincre, vous devez vous entraîner. Exercez vos compétences de déplacement si vous voulez prendre le dessus sur ces infâmes lapins crétins. J'ai envoyé des suggestions pour vous aider à gérer votre équipe lors du prochain combat. Faites vite! Signez votre plus grand fan. Santé accrue. C'est quoi ça? Restaurer les PV de ton équipe et obtenir 50% de plus? Bah oui. Vous pouvez infliger des dégâts en mouvement avec une charge. Sélectionnez une case occupée par un ennemi puis validez avec A.
Vous pouvez parcourir plus de terrain avec un saut d'équipe, sélectionner une case occupée par un allié, puis valider avec 1. Tenter un combo épique après avoir chargé un ennemi, réaliser un saut d'équipe avec un allié. Oui, j'en souviens de ça. J'ai pas trop le choix. Attends, là il y en a un qui est là, l'autre est là, et il y en a un troisième ici. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. C'est un peu découvert pour l'autre, mais bon, tant pis. Vas-y, Mario. Tire-lui dessus. Hop. Lapin Luigi, du coup, toi, tu peux faire un saut. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Ouais, tu vas aller juste là. Here we go! Et le lapin Peach. Oh, on peut pas faire de double saut, d'accord. Ah, il peut pas aller à l'emplacement de la lapin Luigi non plus. Dans ce cas, bah je vais la mettre là. Hein. Je vais la mettre là, elle va terminer l'autre. C'est bon. Le problème, c'est que maintenant ils sont à découvert. Mais bon, tant pis. Hein. Oh, il fait pas de dégâts. Toujours pas de dégâts. Ah, c'est vrai, il en reste un. Ah, j'avais oublié, il en restait deux. Oh le bâtard. Et on va. Ouais. Ah, je commence direct à le pitch. Ah non, je peux changer. Bon, ok. Bah je vais directement déplacer Mario, je vais le mettre voilà. Comme ça, bam, tu attaques lui. Ok. Lapin Peach, bah, pas besoin de faire de saut, hein, juste. Ah, je peux même... Ouais, ouais, je vais faire ça. Bam. Et après, je viens dessus. Il est pas mort. Il résiste le boulot. Ah, il a pas cette portée, merde. Dans ce cas, on va faire un petit saut. Ok. Bah, je vais le mettre là, de toute façon il est mort là. Let's play. Ouais, il a 2 HP, ça y est. Hop. Et c'est fini. C'est quoi le drapeau avec un 1? Ah oui, c'est pour le monde, parce que je suis au monde 1, c'est ça. Okay. Encore un combat. C'est le moment de mettre en application tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Ah, vrai combat là. Attaque, déplacement, saut d'équipe, charge, et n'oublie pas de vous mettre à couvert. Vous pouvez également changer de héros à tout moment à l'aide de L et R et choisir l'attaque ou le déplacement avec ZL et ZR. Bonne chance. Et bah je te remercie. Et les amis, alors je suis en train de regarder un truc, mais je pense, là la facecam je l'ai mise à gauche de l'écran. Je pense que, bah je crois que je peux le faire, bon, je verrai après. Je verrai au prochain épisode si je la mets directement à droite. Parce que je remarque qu'il y a pas mal de choses qui sont affichées à gauche. Donc je pense que la facecam, je la mettrai à droite plutôt qu'à gauche. Pour ce premier épisode, elle restera à gauche. Mais je pense que par la suite, je vais la mettre à droite, c'est mieux, je pense. Alors, du coup... ouais, bah je vais mettre là, Mario. Attends, même pas. Je vais faire... Ah, il veut pas. Ah, il veut pas faire ça. Il veut pas faire dans l'autre sens. Ok, bon, comme tu veux. Et tu reviens sur tes pas, tu peux. Ouais, il peut. Très bien. Hop, un dégât. Tu lui tires dessus. Il est mort. Attends, mais il était pas censé le tuer. Il est resté. Bon, ok, pour moi. Là, c'est Lapin Peach. Attends, on va faire avec Lapin Luigi pour voir. Ah, ouais, Lapin Luigi il fait beaucoup plus de dégâts avec une balayette, on va dire ça comme ça, une balayette. Je vais faire ça et ça va le terminer normalement.
Et là, je termine. Et enfin, la papiche. Alors, le prochain ennemi, il est où? Il est là. Ah, il en reste encore deux. Encore deux. Si je saute. Ouais, je vais faire ça. Pas de chier, mais pas de 34. Bon, là, beaucoup, elle est à bout portant. Mais ça va, trop bigot, ça va. Non, c'est pareil, ça va. Par contre, il a 16 HP. Ah, le bâtard, il tient sur d'oscillant sur la fin du G. Bon, plus de façon, hein. Tac. Et ça. Là, je suis à la portée des deux. Parce que je vais rester ici. Oh, je fais un coup critique. Ok, parfait. Bah, vas-y, tiens. Bon, ça a tiré sur le bloc, malheureusement. Lapin Luigi. Ah, merde. Petite pièce. Lapin Luigi, on va le mettre, là. Et tu vas le tuer. Ah ouais, la portée de Mario, elle est vraiment pas folle. Il peut l'atteindre de là. Là, il sera découvert. Ben, je vais le mettre là, mais je me demande s'il va pouvoir l'atteindre. Non, malheureusement. On va tourner l'ennemi. Ouais, pas le choix. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est les premiers combats et puis. Et puis. Voilà. Non, j'ai directement passé à Lapin Peach. Maliette, tu reviens là. Et tu termines. Voilà. Super, plus 50. Chapitre 2 déjà fini. Amitié florissante. Attends, mais les chapitres ils s'enchaînent. Ah, le voilà. Mario, la créature portant le casque s'est enfuie. Mais j'admets que tu as réparé ses bêtises. Et puisque je suis une plante de parole, je te dois une récompense. Nos amis Lapin Luigi et Lapin Peach ont également participé. Oui, c'est bien. Il veut pas l'admettre. Mais c'était lui, ma lapin avant. Juste une pièce. C'est mérité, hein. Bon, c'est mérité, c'est mérité. Donnez-nous un coffre là. Bon, bon, tenez, voilà. Voilà, je préfère. Pauvre pièce, il nous avait donné. Attends, j'avais. En parlant de pièce, il y en avait une qui était. Ouais, voilà. C'est pas grand chose une pièce, hein, mais ça fait toujours plaisir. Je crois que ça, c'est du sable. Ouais, on dirait que c'est du sable. Allez, un petit coffre. Tournesol. Ouais, bon, de toute façon, après, on va le débloquer plus tard, l'inventaire. Ouais, il y a un coffre, on peut pas y aller. Non, ouais. Bon bah c'est parti, hein, on continue. Ah oui, c'est vrai, ça se débloque après. Oh là. Ça des lapins là. Ah, ils ont fait un nœud. Vous observez? Ah ouais. Eh, vous deux, c'est juste une bande sur un tuyau d'arrosage. C'est pas une frontière, ne la laissez pas briser votre amitié. Oh, c'est juste ça. C'est vrai que le tuyau d'arrosage, il est un peu... Bon, on dirait juste un serpent géant, quoi. Ah, Todd. Mario, quelle chance que tu sois là. C'est le premier visage amical que je vois depuis que le royaume champignon a été chamboulé. Tu arrives pile au bon moment. J'ai perdu Toadette. Tout ça à cause de ces drôles de tuyaux que nos amis lapins crétins ont apporté avec eux dans ce monde.
ton monde. Mais attends, du coup, c'est ça, on est vraiment dans le monde de Mario, mais qui est juste chambouillé, quoi. C'est pas un monde créé à partir des deux univers. Non, c'est vraiment le monde de Mario. Mais vous êtes super forts, vous, les gars, non? Vous pouvez m'aider à la retrouver, s'il vous plaît. Très bien, mais tu vas voir à quel point ces tuyaux sont casse-pieds. Ah oui, non, c'est pas un truc où il y a là, les tuyaux et tout, là. Quand même, j'adore leur style. Silence, merci. Ah ouais, il y a là, les tuyaux et tout, là. Du coup, il y a Toki dessus. Normal. Ah, je me rappelle qu'il y a un combat où il faudra protéger Todd et d'autres persos. Et ça, ça va être chiant parce que ils vont se faire attaquer par les ennemis. Ok, un canon. Ah, canon bleu! C'est bien ça. Après ça c'est le premier canon bleu. C'est la première zone secrète. Turbine. Ah cool, c'est pour Lapin Luigi. Sympa, sympa. Alors, ah bah il faut que je retourne là-bas. Ça me fait faire des larmes de voir. On trouve où Toadette, hein? Là. Ah! Ah bah alors voilà, c'est tout. Donc c'est tout. Attendez, je suis soulagé que tu ailles bien. Oh moi ça va, c'est plutôt pour la princesse Peach qu'il faut s'inquiéter. Ah ah. Mario, tu peux retourner au château de Peach pour vérifier que tout va bien? Certainement pas, il faut impérativement trouver le lapin avant. Le lapin avec le casque. Encore un message. Je vous félicite d'être arrivé juste ici. Un homme sage a dit un jour, si j'ai 3 heures pour couper un arbre, j'en passerai 2 avec 10 et ma hache. Je vous en prie, retournez au château de la princesse Peach et appliquez cette maxime. Préparez-vous pour le combat à venir. C'est bien beau tout cela, mais comment? Vous vous demandez peut-être comment? Pendant que vous lisez ce message, j'ai mis à jour votre système d'exploitation. Il intègre désormais une nouvelle fonction de téléportation GPS que j'ai baptisé Sploring. Bon, le nom est encore provisoire. Quoi qu'il en soit, activez-la et vous et vos amis retournerez instantanément au château de la princesse Peach, signé votre plus grand fan. Si c'est vrai, c'est incroyable, j'imagine que je devrais... Oh bah... Moi ça c'est fait. Et nous revoici au royaume champignon, donc ouais c'est ça, c'est bien le... Bah le monde qui a été bouleversé. Ah, elle est déjà là, j'ai oublié ça. Attends, c'est maintenant qu'elle nous rejoint, Peach. Oh Mario, le ciel soit loué, tu vas bien. Je suis soulagé de te voir. Tu as certainement remarqué, mais le royaume champignon est censé dessous. Il faut faire quelque chose, Mario. Ouais, je l'ai légèrement remarqué. Oh, mais qui sont tes nouveaux amis? Si vous me permettez, votre Altesse. Je suis Bipo, un assistant scientifique de recherche et d'opération intelligence et autonome. Fort bien et... Celui-ci s'appelle Lapin Luigi. Et voici Lapin Peach. Ah bah oui. La rencontre entre les deux. Je crois qu'elle prend son costume un peu trop au sérieux. La copie critique l'original, je suis mort. Ah y'a d'autres lapins. Ça c'est gratuit. Oui, leurs amis sont quelque peu agités, comme vous le voyez. Apparemment, les lapins crétins que nous avons libérés de l'emprise du méga bug ont atterri ici. Et il en vient encore.
Oui, ils arrivent par magie comme vous et en nombre. La part question, ça va être une bretonne. En effet, ils sont très créatifs. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils ont construit si vous en avez l'occasion. Ah oui, c'est pour voir les équipements, je crois. Je vois qu'ils ont créé ce qu'ils appellent un QG de combat. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi le musée. Ils adorent collectionner des souvenirs du royaume champignon. Ah ok, c'est les objets collection. Venez leur voir ce que mon cousin lapin crétin sont en train de mijoter. Et bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et c'est pile poil 888 pièces. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine, justement le mercredi d'après, pour la suite, l'épisode 2. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!